C'est aux aurores et toute seule que Jezaël a décidé de partir loin de chez elle et des siens pour vivre une aventure pas ordinaire. Je vais voir mon chéri. Je vais me marier. Mais je réalise pas ça encore. À 26 ans, Jezaël part se marier en Tunisie avec un jeune homme de son âge nommé Kabil, rencontré sur Internet. Il est tout pour moi. Il me rend heureuse, Je me sens tellement bien depuis que je l'ai rencontré. Il m'a rendue saine, il m'a rendue sereine, il m'a appris plein de choses, il m'a fait grandir. Cette décision, elle l'a prise seule, malgré les doutes de son entourage, à commencer par sa maman qui ne pourra pas venir au mariage. Moi, j'ai pas envie que tu repartes après en Tunisie. Mais je t'ai dit, je reviens. Oui, en mais France. Toi, tu me le dis là, mais après. Tu crois quoi, qu'il va me séquestrer? Non, mais arrête. Sa maman doute des intentions de Kabil et craint que le jeune homme épouse sa fille par intérêt pour pouvoir venir vivre en France par la suite. Des craintes qui exaspèrent Jezaël. Pourquoi? Parce qu'on peut pas m'aimer pour ce que je suis. Si on m'aime, c'est pour les papiers. On peut pas m'aimer pour ce que je suis. Rien ne va la faire reculer. Elle va devoir découvrir seule une nouvelle culture et prendre en main les moindres détails de son mariage. 7, 8, 9, 10. Voilà pour un mouton. Voilà. Deux moutons. Pourtant, Jezaël ne pourra s'empêcher de se sentir seule loin de chez elle, gardant l'espoir que peut-être sa maman se décide finalement à venir. Tu me manques? Ne pleure pas. Pourquoi tu pleures, ma chérie? Parce que je suis toute seule. Jezaël est convaincue que Kabil est l'homme qu'il lui faut et va donc tout faire pour que ce mariage soit le plus beau jour de sa vie. J'ai rencontré Kabil il y a un an et demi par Internet. On est tombés amoureux et on a pris la décision de se marier. Le mariage a lieu la semaine prochaine en Tunisie. Et malheureusement, mes parents ne seront pas là et on a tout à organiser. Et j'espère pouvoir le 25 au soir m'endormir aux côtés de mon mari. Je pense que Jezaël va être très heureuse au jour de son mariage parce qu'elle est très amoureuse. Elle est très pressée de se marier. Elle va découvrir une nouvelle tradition et tout ça, et ça, c'est bien. On aurait aimé qu'elle fasse le mariage d'abord chez elle, d'après ici. Maintenant, c'est comme ça. Bellac, un petit village au cœur de la France, pas très éloigné de Limoges. C'est ici que vit Jezaël, jeune postière de 26 ans. Demain, elle s'envole pour se marier en Tunisie. C'est donc un peu anxieuse qu'elle a rendez-vous avec sa couturière pour apporter les dernières retouches à sa robe de mariée. Ça va? Et toi? Oui, ça va. Prête? Ouais. Allez, on y va. On va essayer la robe. Donc, tu poses ton sac ici. Fais attention, quand tu as un obstacle, tu prends bien le temps. Je vais couper dedans. Tu mets, voilà. Et pourquoi tu as voulu une robe de mariée, tradition française? Parce que j'aime pas les robes de mariée tunisiennes. D'accord. Et puis même, c'est un mariage mixte, il faut des deux cultures. Regarde-toi dans la glace. Si ta coiffure est un petit peu haute, elle se posera comme ça dessus. Alors là-bas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu auras deux mariages différents? Il y a une journée traditionnelle, alors je sais pas ce qui s'y passe, on va bien voir. Je sais pas comment tu vas être habillée. J'arrive pas à imaginer le mariage, de toute façon, ce sera qu'enregistré, quoi. Ouais. Et puis, t'arrives même pas là, à visualiser pas... ce qui va ouais, te... Ouais, puis même au ressenti, je ressens pas... Si, je ressens que je vais enfin m'unir avec la personne que j'aime. Ouais. Mais c'est tout. Tu veux que je le remette plus bas pour que tu vois? Jezaël a pris rapidement et toute seule la décision de se marier si loin, convaincue d'avoir trouvé l'homme de sa vie. Et pas question pour elle de changer d'avis, même si ses parents l'ont déjà prévenu qu'ils ne feront pas partie du voyage. Je me marie pas comme j'aurais voulu quand j'étais petite. Petite fille, c'est vrai que j'aurais voulu que mes parents soient là, me marier un beau mariage, un grand mariage, me marier à l'église, me marier ici, me marier là. Et bien ça se passe pas comme ça. Elle a surtout dû essuyer quelques remarques sur Kabil, son futur mari. Beaucoup de gens autour d'elle se demandent s'il est vraiment amoureux d'elle. Mariage blanc, pas mariage blanc. Les gens, ils pensent ce qu'ils veulent. Ce qui est important, c'est ce que moi je pense. Parce que c'est ma vie que j'engage, c'est pas la vie des autres. Et moi, je suis heureuse, c'est comme ça que je vois ma vie. Pour ma vie, je la vois avec lui. Et qu'il habite en Tunisie, ou Yaoundé, ou je sais pas où, à Tataouine, là. Mais je m'en fous. L'important, c'est qu'on s'aime l'un et l'autre. Le jeune homme dont elle est tombée amoureuse, le voici. Kabil, 26 ans. Les deux amoureux se sont découverts par Internet il y a un an et demi maintenant. Après de longues discussions, Jezaël est partie le rencontrer dans son pays sans le dire à personne, et ça a été le coup de foudre. Pour elle, c'est une évidence, c'est l'homme avec lequel elle veut faire sa vie. C'est qui? C'est mamie? Allez, viens voir mamie! Allez, on
ma fille. Alors, ma fille. Oh. Ça va? Et toi, monsieur? Alors, Véronique, la maman de Gézaël, ne pourra donc pas la suivre sur le continent africain pour raisons professionnelles. De voir sa fille partir se marier si vite et si loin provoque chez elle une inquiétude non dissimulée. Je sais pas, on est 17. Alors, tu me prends plein de photos de ton mariage et de ton futur marié, de ton futur homme. Alors, à part ça, comment tu te sens? Pas trop nerveuse? Non, je te dis, je réalise pas. T'as pas peur? Non, j'ai peur. Bah, j'ai peur comme quelqu'un qui va se marier normalement, quoi. Moi, je suis triste que tu vas te... Je suis triste de pas être présente, quoi. Je trouve que ça a été vite, moi. En plus, je vous en ai pas parlé avant, quoi. Ben non, tu nous en parles comme ça, paf, je marie, telle date, nous. Jamais je me serais imaginé que tu te mariais comme ça, tu vois. D'abord, tu pouvais pas te marier avec quelqu'un que tu connaissais pas. Donc, mais oui, mais même moi, je trouve ça dingue. Des gens qui me disent qu'ils s'aiment par Internet, mais attends, comment tu peux aimer quelqu'un qui se trouve à des milliers de kilomètres? Quand tu m'as dit que t'allais te marier, parce que j'ai eu peur, j'ai dit, ouais, encore un qui veut venir vivre en France, tranquillement, mariage blanc. Tout le monde a pensé ça. Alors là, moi, je te dis, ça, j'y ai pensé, hein. Tout le monde a pensé aussi. Ça. Je dis, voilà un qui a trouvé un bon pigeon. J'ai entendu pendant un an des gens qui m'ont dit, oui, c'est pour les papiers. Kabil, il se marie avec toi pour les papiers. Kabil, voilà. Pourquoi? Parce qu'on peut pas m'aimer pour ce que je suis. On m'aime, si on m'aime, c'est pour les papiers. On peut pas m'aimer pour ce que je suis. Enfin, oui, je l'ai eu au téléphone, il avait l'air sympa, il a l'air respectueux, il a l'air très amoureux de toi. Maintenant, je sais pas. Moi, ce qui me fait le plus de peine, c'est que tu le connais pas suffisamment, toi. Tu vas pas me dire que tu peux le connaître comme ça, tu l'as vu, quoi. Tu l'as vu, t'as vécu avec lui, tu l'as vu combien de fois dans ta vie, là? 4 fois. Oui, 4. Quatre fois. Donc, tu l'as vu 4 fois. Ouais. Ouais, puis voilà, bah c'est ça, mais c'est l'amour fou, quoi. Enfin, j'y ai vécu avec lui. Mais pas longtemps, plus. Bah oui, mais pas longtemps. Ah, oh, ça y est, bon, c'est bon, tu me saoules. Ah ouais, bah je te saoule, mais c'est pourtant vrai, tu l'as ouais, bah, t'as pas vécu longtemps. Mais oui, mais voilà, mais c'est bon, quoi. Bah oui, mais c'est bon, ouais, mais bah, c'est... Ouais, là, ça me saoule. Voilà, ça. Bah moi, tu vois, ça me fait peur, ça, c'est tout. Bah ça fait peur, et ben écoute, et peur. Et peur, et ben j'ai peur, et puis voilà, quoi. Moi, j'ai pas envie que tu repartes après en Tunisie. Ah, mais je t'ai dit, je reviens. Oui, en mais France. Toi, tu me le dis, là, mais après. Tu crois quoi, qu'il va me séquestrer? Non, mais arrête. Je pense que tout se passera bien, mais écoute, tu peux pas m'empêcher de. Oui, mais là, je me retrouve à une semaine de mon mariage. Je sais pas, encourage-moi. Oui, bah encourage-moi. Mais je t'ai pas arrêté de t'encourager. Bon, je peux quand même te parler de mes peurs un petit peu. Oui, tu peux me parler de tes peurs. Mais je pensais avoir réglé toutes tes peurs, là. Bon, faut, on va pas parler de ça. Tu te maries vendredi, et puis voilà, quoi. À ma puce. Ouais. Il en faut plus pour décourager Gézaël. Rien ne la fera changer d'avis. D'autant que l'arrivée de Kabil dans sa vie a déjà changé beaucoup de choses en elle. Il y a 1 an et demi, avant de le rencontrer, Gézaël pesait 60 kilos de plus. Quand je suis tombée amoureuse de Kabil, j'ai eu envie de changer physiquement parce que je me plaisais pas, j'étais pas sûre de lui plaire. Et ben, la première fois qu'on s'est vu, j'avais déjà perdu 30 kilos. Et voilà, et puis par amour pour lui, j'ai continué. Et on peut voir la différence sur mon passeport si j'arrive à trouver. Ça, c'était la première fois que je suis partie, un petit peu avant. Voilà, c'était avec mes kilos en plus. On s'est vu, la première fois, je pesais 85, je suis retournée à 72, ensuite je suis retournée à 63, et maintenant j'y retourne, je suis à moins. Je lui avais bien dit, t'attends pas une super nana qui sorte de l'avion, parce que bah, j'étais pas une super nana, maintenant non plus, mais voilà, j'avais préféré le mettre en garde sur ce que j'étais. Et c'est très bien passé. Gézaël ne part pas les mains vides en Tunisie. C'est elle qui va devoir gérer toutes les dépenses du mariage. Oups. C'est l'argent qu'on a mis de côté, Kabil et moi, pour pouvoir se marier. Et c'est moi qui avais l'argent ici. C'est pour ça qu'on n'a rien pu organiser là-bas, parce que c'était moi qui avais tout l'argent ici, quoi. Donc, il y a 2000 euros pour le mariage et bon, 500 euros pour nos dépenses autres que le mariage là-bas, quoi, pour pouvoir manger. On va forcément s'en sortir. De toute façon, on n'a pas le choix, on va forcément s'en sortir. 2000 euros, on n'a que ça. It's a beautiful day today. Au petit matin, c'est toute seule que Gézaël prend donc son train pour Paris avec une seule idée en tête, retrouver l'homme de sa vie de l'autre côté de la Méditerranée. J'ai hâte de le retrouver. Après, je dirais qu'à ce moment-là, au moment précis, le mariage c'est secondaire, c'est je vais retrouver mon chéri en premier.
Après, bon, le mariage, je sais qu'on en discutera quand je serai arrivée. C'est pas... Voilà, même pour mon plus grand plaisir, là, tout de suite, maintenant, c'est de revoir mon chéri, quoi. La France, elle va la quitter ici, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, direction Tunis, où l'attend sa future vie. Bon alors, 15h55. Porte 48, enregistrement à 5. Ok, c'est la dernière ligne droite, on y va enfin. Chouette. Chouette. Trois mois, c'est vraiment trop long. Et je vais voir mon chéri. Je vais me marier. Mais je réalise pas ça encore. Dans une petite heure, Gisèle va enfin retrouver Kabil. Dans l'avion, elle va passer du temps à se faire belle pour son futur mari. Il y a 3 mois, j'étais à 3 mois de revoir mon chéri. Là, je suis à moins de 2 heures, quoi. Voilà, je vais voir mon homme. Sauf que la chose ne va pas forcément être si simple pour les retrouvailles. Gisèle va arriver en Tunisie en plein Ramadan. Pour le moment, c'est Ramadan, donc on va sûrement pas pouvoir se faire de bisous. Franchement, je sais pas comment ça va se passer. Mais vu que c'est Ramadan, on risque de pas se faire de bisous parce que normalement, c'est interdit. Arrivé à Tunis, les choses ne vont pas se passer exactement comme prévu. Kabil n'est pas là et personne n'est venu l'accueillir. Bah bien, je le vois même pas alors. Marie, il est où ? Bah voilà, c'est malin, il est parti. Gisèle se retrouve brusquement toute seule, perdue au milieu de l'aéroport. Bah t'es où là ? Bah moi j'ai l'air d'une grosse conne, je t'attends comme une conne devant la sortie. Bah je te dis, mon portable, quand je suis dans l'avion, tu sais bien que mon portable est un bon. T'es où là ? Ok, super, il revient, là je pense qu'il arrive. Oh putain, je t'avais pas vu. T'es mignon, merci. Ça va, mon père ? Toi aussi, sincèrement. Toi aussi. Merci beaucoup. Désolée. On est arrivé le soir, le Ramadan était fini. Enfin, l'heure du Ramadan. Là, c'était le moment où ils avaient enfin le droit de boire, enfin le droit de manger. L'avion était en retard, mais j'ai eu mon bisou. Pour profiter pleinement de leur retrouvaille, Gisèle et Kabil ont décidé de loger pour la semaine dans un bel hôtel d'Amamet, non loin du village natal de Kabil. Merci. La direction de l'hôtel, mise au courant de leur mariage, leur a réservé une belle surprise. Une suite les attend. Super. Vous avez la chambre 223. Ah, c'est d'accord. Une belle chambre. Ah, la suite. Oh, la suite. Merci, c'est gentil. Oh, regarde, bébé. Regarde, c'est magnifique, non ? Punaise, mais il s'est passé pas... Oh, la dernière fois, on avait une chambre pourrie. Bah, en fait, ça fait un vrai appartement, quoi. Ça fait un vrai appartement, sauf qu'on va pas cuisiner. Bah oui. Ça, c'est bien. Mais une suite, j'en reviens pas, quoi. C'est... Gisèle prend la cérémonie du mariage très au sérieux et surtout elle veut que les deux cultures y soient clairement représentées. Elle ne sera pas totalement coupée de sa famille. Finalement, sa grand-mère, son oncle et son cousin ont décidé de faire le voyage et de la rejoindre le jour du mariage pour ne pas la laisser toute seule. Voilà. Du coup, pour l'aspect français de la cérémonie, elle a une liste de choses traditionnelles qu'elle veut absolument respecter. On va y avoir des traditions tunisiennes dans notre mariage. Ben oui, mais je veux aussi garder des traditions françaises. Ben oui. Donc, dans les traditions françaises, il faut, à la mariée, il faut qu'elle porte quelque chose de bleu, quelque chose qu'on lui prête, quelque chose de vieux, okay. Et quelque chose de vieux, et qui va nous servir, c'est les alliances. Ah,
Ben oui. Voilà. Alors, par contre, tu ne les as pas encore essayées, donc il va falloir que tu essayes la sienne. La tienne, c'est celle à mon grand-père. Oui. Donc, enfin, je sais que tu feras attention, mais voilà, ça c'est quelque chose de vieux, c'est celle à mon grand-père. Et la mienne, c'est celle à mon arrière-grand-mère. Ah, oh, ok. Donc, bah alors, je te montre la tienne d'abord. Donc, tu vois, c'est tout simple, hein, c'est de l'or. Et à l'intérieur, il y a gravé Jézaël. Jézaël Kabil. Bah, c'est voilà. Bien. Et moi, là, il y a marqué la même chose sur la mienne, en fait. Attends, prends ça. C'est une concrétisation. Eh oui. Un rêve, enfin, qui va... Ah ben c'est bientôt maintenant. Ouais. À peine une semaine. Ouais. Reste plus qu'à tout préparer. Ben oui, demain. Demain, j'espère qu'on va tout préparer, voilà. Voilà. Nickel. Voilà. C'est le moment. 26 ans, et voilà. On aime voir l'avenir et tout ça. Une maison, des enfants, une responsabilité et tout ça. C'est la vie. Et en plus, c'est important pour ma famille. C'est bien. Je suis le fils aîné et je dois me marier, c'est pour cela. Le lendemain, Jézaël va enfin retrouver la famille de Kabil. Ils habitent un petit village, Zriba, à 40 km d'Amamet. Elle les a déjà rencontrés lors de ses précédents voyages. L'homme aux lunettes, c'est l'oncle de Kabil, Salah. Et voici sa maman. Comment ça va ? Ça va bien. Et son papa. Yo. Et enfin, sa cousine. Le papa de Kabil, Mokhtar, parle un peu le français. Il est très heureux et très ému d'accueillir Jézaël dans sa famille. Kabil, c'est mon aîné. Et puis, je l'aime bien. Je l'aime bien. C'est comme ses autres frères et ma fille aussi. Et puis j'ai une seule fille, moi. Et alors, maintenant, je vais avoir deux filles. Merci. Devant l'émotion du papa, Jézaël se sent un peu moins seul, séparé de ses parents. Tout de suite, je me suis sentie de la famille. Et puis, ben, je me sens encore de la famille et mes parents ne seront pas là. Je l'ai accepté. Ainsi va la vie et voilà, mais ils seront tous là pour me soutenir ici. Je pars pas dans l'inconnu quelque part-ci parce que j'ai jamais été mariée, donc je vais dans l'inconnu dans ma vie, mais ici je me sens pas dans l'inconnu. Je me sens bien. Je me sens bien, c'est agréable et voilà. Depuis quelques semaines déjà, c'est la famille de Kabil qui a pris en main l'organisation du mariage. Et plus particulièrement son oncle, qui va se charger de lui expliquer les détails de la cérémonie, à commencer par le henné, le tatouage provisoire que la mariée doit porter sur ses mains et ses pieds. Ils vont te faire le henna et le... Pas le henna. Non. C'est juste... Un petit peu. Oui, c'est bon. Bon, d'accord. Un petit peu, pas beaucoup. Écoute, comme ça, un petit peu. D'accord. Et puis après, on sort d'ici avec le calèche. Tu montes le calèche avec Kabil. Et nous, on suit toute la famille, hein, jusqu'à la mairie. Après l'écriture du contrat, on descend en dessous. On entre dans la salle de la fête, quoi. Elle dit, on va te faire monter sur le chameau et le jaffa. Non. J'aime pas le chameau. Non. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Couscous. Ce que le plus simple, c'est pas s'embêter. La tradition, c'est on fait du couscous. Bah alors du couscous, ça me va très bien. Par contre, il y a ma mémé qui mange pas trop piquant. Ma grand-mère ne mange pas piquant. 6, 7, 8, 9, 10. Voilà pour un mouton. Voilà. Deux moutons. Deux moutons. Voilà, comme ça, tout est réglé. Voilà.
L'argent, c'est une chose, mais Gisèle ne sait toujours pas comment se déroule un mariage tunisien. Et il y a quoi comme tradition pour le mariage tunisien? C'est quoi les traditions à la base? Tu vas porter une djellaba. Mais ma mère, elle a proposé ça. Que je porte une djellaba? Ah oui. Oh, ça ne me gêne pas, ça. Mais tu portes un djellaba. Mais pas pour le mariage. C'est juste pour... Pour la soirée de mariage, j'ai ma robe. Oui, voilà, oui, d'accord. Sûr. Ok, nickel, ça marche. C'est pour cela. Ok, nickel. Géza, elle fait beaucoup d'efforts pour l'adaptation vis-à-vis notre culture, nos traditions, tout ça. Elle respecte nos traditions. Elle fait beaucoup d'efforts, sincèrement. Et ça, je l'aime bien. Voilà. Gisèle ne connaît pas bien la cuisine tunisienne. Depuis un moment déjà, elle a très envie d'apprendre. Baya, la mère de Kabil, va lui enseigner l'art de la brique à l'œuf et au thon. Elle va mélanger les œufs. Elle va pas faire des œufs entiers. Entiers, oui. Oui, elle va mélanger. D'accord. Oui. Et beaucoup plus. Et c'est mieux, quand c'est mélangé, de oui, toute façon. Oui, c'est pour cela. Bébé. C'est ça en premier? Non, c'est le fromage. Non, c'est le fromage? Fromage, Maroula. Beaucoup, comme ça? Un peu. Zit, zit. Encore? Zit, oui, encore. Zit, encore? Oui. Oui, oui. C'est tout. Et mettre. Oui. Ça va. Et mettre un peu. Du tout. Râler un peu. Comme ça? Oui. Voilà. Comme ça. Comme ça. Et tu dans la poêle. Non, moi, je peux pas. Oui. Je préfère que ça soit ta maman qui fasse, elle oui, est habituée pour mettre dans sa poêle et... Ouais. Oh bah c'est bien. Tu mourras pas de faim quand on sera ensemble. Non, non. C'est important que tu connaisses certains que tu mourras. Même pour au niveau éducatif, voilà. Oui, bah c'est sûr. Mais de toute façon, à chaque fois que je viens, j'apprends différentes choses et... Ouais. Faut que tu demandes à maman de t'apprendre à toi, parce que moi, je saurais pas le refaire, comment on fait la sauce piquante que tu aimes. Ah oui, je fais. C'est bon, tu sais. Bon, d'accord, ok. C'est cool. Oui, parce que moi, je saurais pas la faire. Moi, c'est que j'aime. Je sais faire. D'accord. J'ai hâte qu'on habite ensemble et tout ça. Bah, c'est le moment pour nous, non? Bah oui, c'est sûr. Puis voilà, c'est bien, on vit dans différents pays, on se voit de temps en temps. Bon, on l'a choisi, ce que je veux dire, c'est... On a assumé jusque-là le fait de se voir pas tout le temps. Ouais. Mais à un moment, ça devient... Moi, pour moi, ça devient dur et je pense que pour lui aussi, voilà, on a envie de vivre une vraie vie de couple. Devenir... Hein? Papa, et aussi. Quand vous aurez des enfants, il faudra leur apprendre à respecter la famille, à aller voir la famille, et à aimer la famille aussi. C'est important. Moi, ce que j'aime en Tunisie, c'est le respect que vous avez pour la famille. Je trouve ça génial. Et c'est important, la famille. Voilà. Quand il ne reste plus personne, il reste la famille. Le mariage est dans 3 jours. Gisèle ne sera pas totalement isolée de sa famille. Sa grand-mère, son oncle, sa tante et son cousin ont fait le voyage pour assister à la cérémonie. Ils vont arriver dans quelques minutes. Évidemment, Gisèle ne peut s'empêcher d'espérer que peut-être, dans la voiture, sa famille sera un peu plus nombreuse. J'ai toujours au fond de moi une petite espérance que peut-être, je ne sais pas par quel hasard, ma mère ou mon père pourraient venir. Mais voilà, mais je préfère me dire qu'ils ne seront pas là et qu'ils ne seront pas là. De toute façon, je me suis déjà dit, c'est dommage et voilà, bon. En attendant, Kabil s'entraîne à savoir qui est qui. Mon oncle s'appelle comment? Charles. Non, Richard. Richard. Charles Aznavour. Et sa femme, c'est Brigitte. Brigitte. Et mon cousin? Je ne sais pas. Clément. Clément? Clément. Clémentine. Lui, c'est Clément. Clémentine, c'est voilà. Des fruits, non? Jacqueline, Brigitte. Brigitte. Brigitte, Brigitte. Clément. J'ai vu ça. J'ai entendu ça, bébé. Brigitte. Bardot. C'est célèbre. Brigitte oui. Bardot. Ah oui. Oui, Brigitte. C'est mamie, Brigitte, non? Non, c'est la femme de mon oncle. C'est ma tante. Et mamie? Jacqueline. Mémé. Moi, je l'appelle Mémé. La famille de Gisèle arrive enfin. Oui, oui, oui. Et Karim. Dans quelques instants, Kabil va rencontrer la famille de sa future femme. Une famille méfiante à son égard qui va avoir un peu de mal à trouver ses marques au milieu des traditions tunisiennes. Ça va? Oui, T'es un peu perdu? Un peu. Moi aussi. Faut pas t'inquiéter, moi aussi je sais pas trop ce qui se passe.
La famille de Jezaël vient tout juste d'arriver. C'est le moment pour elle de présenter Kabil à sa grand-mère, son oncle, sa tante et son cousin. Exactement. Bien joué, Kabil. Ça va ? Enchanté. Ça va ? Salut. Mais ouais, ça s'est bien passé. Madame Brigitte, impeccable. Bonjour. Nickel. Ça va, Brigitte ? Bonjour. Bonjour. Mais c'est ça, mais ça, ça, mais ça s'est bien passé ? Oui. Ça va ? C'est Kabil. Bonjour. Enchanté. Ça va, mémé ? Ça voulait dire qu'on était des bonnes étoiles. Ah, voilà. Ah, t'as une jolie coiffure. Salut, t'as fait ton petit frisou. Ça va ? Ça va ? Ça va. Ça s'est bien passé ? Oui, très bien, très bien, très bien. Donc voilà, c'est passé le rôle et tout ça ? Très, très bien. Je suis heureux de faire votre connaissance. Eh bien, nous aussi, quand on est content de ta connaissance aussi. Nous aussi. Très. Ça me fait plaisir. Voilà. On va peut-être aller boire un verre ? Bien sûr, bien sûr. Au départ, il n'y avait personne de ma famille qui pouvait venir. Je suis très proche de ma grand-mère. Ma grand-mère, mon oncle, ma tante et mon cousin ont fait l'effort de venir. Et ça, ça me soulage. Parce que, ben voilà, ma grand-mère, c'est quelqu'un d'important pour moi, qui a toujours été là, dans les mauvais comme dans les bons moments, qui a toujours su me soutenir. C'est tout doucement que Jezaël va leur faire prendre contact avec la Tunisie. Allez-y, toi, tout le monde. C'est difficile de vous voyez. Si vous voulez faire des petits tatouages, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, vous pouvez, hein, c'est vous qui... Voilà, vous allez venir avec moi, par contre, après, pour la coiffeuse, je vais vous embêter, hein. Mémé, tu vas venir avec moi chez la coiffeuse, tu vas m'aider à mettre ma robe. Ah oui, super. Moi, je suis bien contente. Si elle est heureuse, tant mieux pour elle. Ma grand-mère, c'était important qu'elle soit là pour moi. Et je lui avais dit, elle le savait. Si je te l'avais dit, que c'était important. Voilà, c'est... Ma grand-mère fait partie des gens de mon entourage qui sont les plus proches de moi, quoi. C'est ma mémé. Oui. C'est ma mémé. Kabil sait qu'il va devoir se faire accepter par eux, alors il a décidé de les accueillir à sa façon. Très belle odeur. Tout le monde y a droit, là, c'est... Bah oui. Ok. Alors, peut-être pas... Jacqueline. Non, non, pas Jacqueline. Brigitte. Ah, Brigitte. Désolée. Si. Tous sont venus pour soutenir Jezaël dans son choix. Pourtant, sa famille ne peut s'empêcher d'être inquiète pour elle, et plus particulièrement sa grand-mère. C'est elle. C'est son bonheur, hein, tant pis. Si elle fait le mauvais choix. C'est pas le mariage comme chez nous, alors je pense que ça me fera quand même un drôle d'effet. Voilà. Aujourd'hui, Amal, la sœur de Kabil, arrive en Tunisie. C'est un événement dans la famille. Elle ne devait pas être présente pour le mariage. Jezaël va donc pouvoir enfin rencontrer sa future belle-sœur. Salut. Ça va ? Ça va ? Ça va et toi ? Très bien, merci. Ça s'est bien passé le vol ? Ah ouais, merci, ça va. Oh, merci, c'est gentil de ta part. Allez, on y va. On n'a rien dit, on n'a rien dit. Rien dit ? Non. Jezaël va profiter de leur présence à Tunis pour se rendre à l'ambassade de France. Elle doit y obtenir un papier essentiel pour que le mariage soit reconnu dans les deux pays, un certificat de capacité de mariage. J'espère que ça va aller vite. Non, t'inquiète. Vous partez pas, vous m'attendez. Hein. Non, t'inquiète. Bon, à tout de suite. Allez, à tout à l'heure. J'ai jamais imaginé qu'il va se marier avec une Française. C'était pas choquant, mais c'était bizarre pour moi. Quand il m'a parlé d'elle, il m'a dit « Je connais une fille, je l'aime beaucoup et je vais me marier avec elle. » Je lui ai dit « Est-ce que tu es sûre ?»« Tu connais pas, c'est une Française et elle n'est pas tunisienne et la culture... » Il y a beaucoup de... Ils ne sont pas pareils. Ils sont bien, ils s'aiment, ils sont sûrs qu'ils veulent le mariage, donc... sont matures, ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc. À peine un quart d'heure plus tard, Jezaël ressort de l'ambassade avec le précieux sésame. Ah,
Et tu sais quoi? Tu sais quoi? Oui. J'ai demandé. Alors, le Manon, la transcription, elle se fait en France, Manon. Tu sais, c'est ce que je t'ai dit? Oui. Ici, c'était 2 mois pour l'avoir. Mais vu que ça soit en France, et moi, je l'enverrai directement de France en rentrant à la maison. Oui. Bah, peut-être que ça va être moins longtemps. Et une fois qu'on a la transcription, qu'on a livré de famille, oui. Le visa, on peut l'avoir en 3 semaines. Ça peut mettre que 3 semaines. Donc, si ça se trouve, tu seras en novembre, tu pourras venir. C'est bien. C'est cool. Génial. Oui, c'est cool. Bien. Allez, on y va. Amal, la sœur de Kabil, c'est celle qui a réussi dans la famille. Elle travaille à Dubaï, où elle est directrice des ventes dans une agence de voyage, et touche un salaire de cadre supérieur. Le prix à payer pour elle, c'est d'être séparée de sa famille par des milliers de kilomètres. Elle ne revient que très rarement à Zriba, son village natal. Elle avait prévenu qu'elle ne pourrait pas assister au mariage, elle a pu finalement se libérer, sauf que Kabil n'a rien dit à ses parents pour leur faire la surprise. Après une très longue absence, ils vont enfin retrouver leur fille. On va arriver un peu en surprise chez ses parents. Regardez le cadeau qu'on vous amène. Et je pense que ça va faire un beau cadeau aussi. Je pense que ça va être du bonheur pour tout le monde. Je vais me cacher un petit peu. Oui. Mon père et ma mère. Oui, il y a ton frère derrière. تليفوني لهنا خاطر مش محلول خلوني نجيو بيبي لاباس لاباس جي ولا elle a deux filles maintenant. Je voulais toujours atteindre le mariage de mon frère. Et c'est l'aîné. C'est la première fête dans notre maison. Donc c'est très important. Donc voilà, il m'a demandé beaucoup de fois. Je veux que tu sois avec moi. Et... ouais, c'est bien d'être avec la famille. Je connais pas Gisa, c'est le bon moment de... Elle est superbe, elle est gentille. Donc je suis vraiment contente d'être là. Merci, Amal. Le dicton dit mariage pluvieux, mariage heureux. À 3 jours de la cérémonie, la météo en Tunisie n'est pas vraiment à la fête. J'ouvre le parapluie. Aujourd'hui, les femmes de la famille ont décidé d'emmener Gisèle choisir sa coiffure et son maquillage pour le mariage. C'est Amal qui va se charger de la traduction. Je pense que ce maquillage, ça irait bien avec la robe. Je pense.
Non, ça, j'aime pas. C'est trop gonflé. Prenons en considération qu'elle va porter un chapeau au oui, début. Oui, mais ouais, je l'enlève. Au début, mais après, elle va l'enlever. J'aime bien celle-là. Tu aimes bien celle-là? Très jolie. Et devant c'est ça? Le devant, c'est ça? C'est ouais. Ça, si. Demande-lui si j'ai des cheveux assez longs pour faire ça. Parce qu'il y a des cheveux très courts, donc il y a des cheveux... هذه شعرها الناتوريل okay. ومن الداخل هذيك elle va ajouter des cheveux pour la même couleur que les miens. Ouais. OK. Mais moi ça me plaît bien. Ça me plaît bien, je trouve que c'est pas trop chargé. Ouais. Et les fossiles, ouais. Ça va pas être c'est pas trop lourd, j'espère. Moi aussi, je vais porter des fossiles. Bon, d'accord, très bien. Alors moi aussi parce que sinon tu vas être 20 fois plus jolie que moi. Bonjour. T'inquiète. Donc c'est bon pour toi, t'es sûre? Ouais, c'est bon, y a pas besoin d'aller ailleurs, c'est déjà fait. Tu veux pas voir une autre? Non, c'est bon. C'est un bon conseil, sincèrement merci. Heureusement que t'es là. Nous sommes la veille du mariage. Gisèle et Kabyle sont de plus en plus impatients. Tu te rends compte, demain, voilà, demain... Demain, ça sera le grand jour. Oui. Demain. Et tu sais quoi? Je t'ai jamais vu, André, là-bas. Ah oui. Ça va être rigolo. J'espère que ça va bien se passer, ce soir. J'ai peur de ce qui va m'arriver, en fait, vu que je suis pas au courant. Enfin, vu que j'ai jamais fait. J'espère que ça va bien aller. Mais oui, il n'y a pas de raison. Tiens, cette nuit, j'ai rêvé de mes parents. Alors, j'étais chez la coiffeuse, puis j'ai rêvé que ma mère, elle arrivait, tu vois. Alors, j'étais contente, ça m'a fait plaisir. Et après, j'ai rêvé que mon papa, il arrivait chez la coiffeuse. Alors, je sais pas qui c'est qui l'emmenait, mais voilà, c'était cool, quoi. C'était cool. Mais bon, ça arrivera pas. C'est pas grave. Ton papa, ta maman seront là pour nous soutenir. Je crois que Gisa a un petit espoir que ses parents, tout d'un coup, viennent et tout ça. Ouais, mais d'ici demain, ça y est, je crois pas qu'ils viennent. C'est un peu stressant et triste aussi. Ce soir aura lieu la première fête dans la maison de Kabyle. Le moment est venu où la famille de Gisaël va enfin pouvoir rencontrer la famille du marié. C'est le papa de Kabyle. Ça, c'est mon père. Je suis très content de vous recevoir chez nous. C'est sûr. Et on souhaite que vous avez passé quelques jours agréables en Tunisie. Très bien. Bonjour, maman. Monsieur. Bonjour. C'est mon fils. Je suis bien ravi de vous connaître et de vous avoir chez nous. C'est mon père. Très heureux, nous aussi, de vous connaître. Aslam, c'est bonjour. Aslam, c'est bonjour, d'accord. Aslam. Bonjour. Ça, c'est la maman de Kabyle. La maman de Kabyle, d'accord, très bien. Bonjour. Bonjour. Ça, c'est Rami, le frère de Kabyle. Ok. Rassure, celle-là. Oui, bonjour. Rapidement, la famille de Gisaël va se sentir un peu perdue. En même temps que vous. Voilà, on s'inscrit. Oui, voilà. Je suis perdue aussi. Voilà. Si ça va pas, vous me dites. Mais ça va très bien. C'est surtout toi. Faut que toi tu ailles bien. Je veux pas que vous ennuyez ni rien. T'en fais pas pour nous. Oui, voilà. C'est normal. Quoi, vous êtes venus. Et plus les minutes passent, plus la maison se remplit de monde, pressée de les rencontrer. Bonjour, ma chère. Hein?
Comme sa famille, Jezaël ne sait plus vraiment ce qui se passe. Kabil est débordée et n'a pas le temps de s'occuper d'elle. Du coup, elle est de plus en plus énervée. Regarde. Il y a quelqu'un qui me parle de repas, de salade. Mais moi, c'est pareil. Tu dis juste, je suis perdue parmi tout le monde, c'est tout. Bah oui, c'est comme ça. Oui, je sais. Moi aussi, je suis perdue. Mais je sais. Je connais plus personne. J'ai perdu Amal, j'ai perdu Ragé. Ça, c'est oui, demain. Oui, je sais. Oui, je sais. Il faut s'adapter. Mais je m'adapte. Ça me fait trop beaucoup de monde, Bakou. Je comprends, c'est la tradition, c'est très bien. C'est juste le temps que je rencontre tout le monde, c'est... Voilà. Je suis comme vous, je comprends pas tout ce qui se passe. Je comprends pas tout ce qui se dit. Très bien. J'avais du stress qui montait parce que je savais pas ce qu'il allait se passer, je savais pas comment ça allait se passer. Et je savais pas comment ma famille allait réagir par rapport à sa famille non plus, je savais pas tout ça. Et puis finalement, ça a coulé et voilà, je me suis sentie perdue. Oui, j'étais perdue, je me suis sentie seule en fait. Alors qu'il y avait plein de monde autour de moi, je me suis sentie seule. Faut pas laisser mémé toute seule. C'est tout seul. Mais avec nous, hein. Bah oui. C'est pas tout seul. On nous a dit de venir là avec le papa, donc on est là. Mémé, ça va, elle était toute seule. T'es un peu perdue. Moi aussi. Faut pas t'inquiéter. Moi aussi, je sais pas trop ce qui se passe. Donc, je suis un peu perdue. Je suis le mouvement, pareil. Si ça va pas, tu me dis, d'accord? Mais ça va très bien. Ok, je te dis. L'accueil était très chaleureux. Très, comment dirais-je... très nouveau pour nous parce que bon ben c'est un autre continent, c'est pas, mais bon c'était bien, c'est très bien, très bien. Et maintenant qu'est-ce qui va se passer, that is the question. Ouais. Ça va certainement aller crescendo. Alors... mais il y a comme un proverbe qui dit le pire est à venir, mais non, oui. c'est le contraire, c'est le bon qui va venir. C'est le meilleur qui reste à venir. C'est le meilleur qui reste à venir. C'est vrai. Demain, Jezaël et Kabil vont enfin se marier, mais ce soir, il va se présenter à elle en djellaba, son costume traditionnel de mariée. Je pense qu'elle va trouver une grande famille. C'est beaucoup de cousins, cousines, quoi, en tout. C'est au tour de Jezaël de revêtir ses habits. Nous sommes aux premières loges, là. Nous sommes aux premières loges. C'est quelque chose. Et maintenant, place à la fête. Kabil est d'un naturel discret et réservé. C'est au milieu de sa famille, en train de rire et danser, qu'il va brusquement se laisser aller à son émotion. Ça a été la journée larme, et je crois que c'est la première fois que j'ai vu Kabil pleurer, et je crois que ça a été fort pour nous deux, en fait. Et finalement, l'ambiance aidant, la famille de Jezaël, elle aussi, sort de sa réserve pour s'amuser avec tout le monde. Oui, c'est génial, merci beaucoup. Tout va bien. C'est juste... c'est pour ça que je pleure, c'est des larmes de bonheur. Non, tu n'as pas besoin. Arrête. Merci.
Merci, et je vous dire, je prendrai soin de Kaby. Je l'aime pas, sincèrement, je l'aime pas. Oui, on sait ça. Bon. Rachet, Rachet. Demain, c'est le grand jour. Dans quelques instants, Gisèle et Kabil vont enfin se dire oui. Ils ont tout prévu, mais le mariage va-t-il vraiment bien se passer? On est très en retard, il est quelle heure là? Gisèle a très peur de ne pas plaire à son mari dans sa tenue de mariée, mais surtout, elle va devoir surmonter son angoisse face à l'absence de sa maman. Tu me manques? Ne pleure pas, pourquoi tu pleures ma chérie? Parce que je suis toute seule. Le jour du mariage officiel est enfin arrivé. Gisèle voudrait que cette journée soit le plus beau moment de sa vie, sauf que sa mère n'est pas là. Et cette absence, elle la vit de plus en plus mal. Ce matin, elle s'est isolée dans sa chambre d'hôtel pour l'appeler. Oui? Maman? Oui, ma puce? Ça va? Hein? Ça va? Et toi? Pff, oui, ça va. Tu me manques? Mais toi aussi, tu me manques, ma chérie, alors. Raconte-moi, t'es où, là? Je suis encore à l'hôtel, et voilà. Ne pleure pas, pourquoi tu pleures ma chérie? Parce que je suis toute seule. Hein? Est-ce que tu me manques, je me sens toute seule et voilà. Mais je vais pas te manquer, tu sais bien que je pense à toi très fort, je suis avec toi. Ouais mais oui je sais mais j'aurais... Tu vois je suis comme une petite fille là, j'aurais voulu que tu me prennes dans tes bras, j'aurais voulu te parler de tout ça, j'aurais voulu te raconter ce qui s'est passé hier et... Alors hier soir, je pensais à toi, je me suis dit, la pauvre, elle doit être... Arrête de pleurer, ma chérie, c'est le plus beau jour de ta vie aujourd'hui. Mais je suis toute seule. T'es pas toute seule, t'as ta grand-mère, t'as pas tant. Ouais, mais tu vois, je pensais pas que ça... Je pensais pas que pour moi, ça aurait été aussi important que... D'avoir mes parents, en fait. Tu vois, moi, pour moi, voilà, c'était un jour comme ça, ça allait pas être important. Et là, le jour, il est arrivé, et vous êtes pas là. Et j'arrive même pas à joindre papa, il est sur répondeur. Et voilà, et tu vois, j'aurais besoin que... D'être dans vos bras, comme quand j'étais petite fille. Faut bien te dire aussi que là, bientôt, dans quelques heures, tu vas être magnifique, tu vas être belle. Bah oui. Tu vas être seule dans ta robe et tout. Oui, mais je vais être toute seule. Non, tu seras pas toute seule. Tu seras pas toute seule, ma puce. On est là, on pense à toi, et voilà, quoi. Qu'est-ce que tu veux? Et moi, qu'est-ce que tu crois que ça me fait de te savoir loin? T'es ma seule fille. Bah oui, mais... Moi, j'ai toi, moi. Eh, maman. Excuse-moi de te dire ça, c'est pas méchant, mais là, en fait, je sais pas que je m'en fous de toi, mais là, ce qui est important, c'est moi, comment je me sens. Je sais que tu te sens mal, mais moi, là, je me sens encore plus mal. Je vais me marier, c'est un jour super important dans ma vie. Et je sais que c'est pas facile pour toi, mais alors imagine pour moi. Eh ben oui, mais pour toi, chérie, tu le savais un petit peu que ça serait difficile. Mais oui, mais je me rendais pas compte. Hier, t'as eu cette fête, là. Ah, c'était génial, je te promets, la fête, c'était génial. C'était... Ah ouais, ouais, bien. Ouais, Kabil, il était beau et... Ouais, ça a été beaucoup d'émotions d'un seul coup, tu vois, franchement... Mais je te raconterai tout ça, tu vois, franchement, je te... Ouais. Mais voilà, quoi, là, c'est... Là, je craque, je sais pas comment vont se dérouler les choses, je sais pas... Allez, maman, je t'aime, il faut que je te laisse. Je t'aime. Je savais pas que j'allais réagir comme ça, je savais pas que ça allait me paraître si important, sincèrement, je savais pas où est-ce que sont mes mouchoirs. Sincèrement, je savais pas que j'allais ressentir ça, voilà, je pensais que ça allait être un jour comme les autres, et voilà, et finalement, c'est pas un jour comme les autres, et c'est con, je m'en étais pas aperçu, et voilà, mais bon... J'arrête de chialer parce que je vais avoir, la tête d'une mariée que je vais avoir. C'est... Allez hop, on y va, faut descendre, il faut que je descende la valise.
prenne la jarretière. Il faut que je prenne mon sac. La jarretière. Ah, tout est là. Et les clés pour ouvrir la valise. Si je peux pas ouvrir la valise, si je peux pas ouvrir le cadenas, je serai dans le caca. C'est quoi que je voulais ? Les clés. Un petit peu de psy-psy. Allez, c'est parti. J'ai rien oublié. La jarretière, les papiers, un paquet de mouchoirs. J'espère que j'aurai assez de mouchoirs. Pour Gisèle, c'est le début des préparations du mariage, à commencer par le maquillage. De toute façon, plus ça se voit, plus Kabylie l'aimera. 1, 2, 3, oh! Ah, c'est super. Ah, ça va beaucoup plaire à Kabyle. Oh, c'est très joli, hein. Vous mettez la robe avant. Aussitôt fini, Gisèle s'empresse de montrer le résultat à sa famille. Voilà. Oh, t'es belle. Elle est bien. Elle est très bien. C'est dans sa robe de mariée qu'elle va maintenant passer à la coiffure. C'est des cheveux naturels, tout simplement. Okay. Bon, Amal, je vais plaire à Kabylie, tu penses? Oui, vous bien êtes sûr. Totalement changé. Il faut que quelqu'un prenne les alliances dans mon sac. D'accord, je vais... Il faut que quelqu'un garde mes cigarettes, okay. Mon appareil photo, okay. et les alliances. À vos ordres, chef. Merci, d'accord. C'est cool. Je suis inquiète de savoir si je vais plaire à mon homme ou pas. Là, c'est du changement tout au tout, quand même. C'est pas... Je suis pas la même, là. Enfin, je suis la même à l'intérieur, mais j'ai à l'extérieur, j'ai quand même pas mal de changements, quoi. T'as trouvé les alliances, Amal? Oui, j'ai trouvé. Merci, c'est cool. Ah, je vais pleurer. Quoi? J'ai l'impression d'être jolie. Gisèle est presque prête. L'important est surtout de n'avoir rien oublié. Alors, attends, j'ai un truc vieux. Je l'ai. Un truc bleu, je l'ai. C'est quoi, un truc neuf? Ma jarretière. Un truc prêté. Un truc prêté, j'ai. C'est la même chose. Un truc vieux, sinon j'ai les alliances, c'est pas... J'ai ma mémé. C'est pas trop long, les cheveux? Ça fait pas trop? Non, c'est bon, il faut bien ça. Il faut que je me tienne en arrière. Ça fait pas trop, les cheveux? Non. Je vous plais? Oui, bien sûr. Il va aimer? Oh, Amal, il va aimer? Oui, il va aimer. Ça fait pas trop épais en bas, les cheveux? Non, c'est parfait. C'est parfait. C'est vrai? C'est formidable. Maquillage, ça surprend, mais c'est joli. Bon, ben pour l'instant, je me plais. Ah, je vais me marier. Kabylie va enfin pouvoir découvrir sa future femme. Il l'attend dehors pour prendre la direction de la mairie. Oh, elle est trop belle, mais... C'est beau, mon garçon. Allez, celle-là. Merci. Allez. Il était très beau aussi. On fait un beau couple. Oui. T'es stressée? Non. Il manquait plus rien pour les papiers à la mairie? Non. Tout est réglé. C'est cool. J'ai dit à la mairie. Ok, c'est cool. Merci, mon gars. Ah, je suis désolée, je suis stressée. Mmh. Si je dis des choses trop vite aujourd'hui, m'en veux pas. Non, t'inquiète pas. J'arrive pas à réfléchir. Oui, je te non, t'inquiète pas. C'est à la tombée de la nuit que Kabylie et Gisèle arrivent aux abords de la mairie de Zriba. Les derniers kilomètres, ils vont les parcourir selon la tradition en calèche. Oh, magnifique. Mais je le pense aussi pour une fois.
Voilà, elle va s'appeler... C'est le bout de la ligne droite et... Enfin, après, ça va être la fête. Waouh. Ah, c'est un peu tard. Tu sais où il y a J'ai peur que... c'est con ce que je dis. J'ai peur que la personne qui nous marie parle pas français. Et moi, s'il faut que je dise oui en arabe ou quoi que ce soit, c'est mort. Le maire est prêt à les accueillir. Que Jezael se rassure, l'oncle de Kabil va se charger de lui traduire ses paroles. C'est un verset du Coran qui préconise des conseils pour les nouveaux mariés. Ce moment, cela fait des mois qu'elle en rêve. Moi, il m'a touchée, Kabil. Moi, il me touche à chaque seconde de ma vie, il me touche. Et il n'y a pas une minute où je ne pense pas à lui, parce qu'il m'apporte tellement de choses. C'est pas qu'il me couvre de cadeaux ou quoi que ce soit. Il a tellement d'attention. Il a tellement d'attention envers moi. C'est peut-être, je sais pas si tous les Tunisiens c'est comme ça, mais lui c'est comme ça. Il a tellement d'attention envers moi. Il est tellement gentil. Il est tout pour moi. Il me rend heureuse. Je me sens tellement bien depuis que je l'ai rencontré. Je me sens tellement. Il m'a rendue saine. Il m'a rendue sereine. Il m'a appris plein de choses. Il m'a fait grandir. Il est génial, il est à moi. C'est le mien. Il demande à Kabil s'il accepte d'être ton mari. Oui. Il a dit oui. Est-ce que tu acceptes d'être la femme de Kabil Jebnou? Oui. Elle accepte. Ça. Je t'aime. Les mariés vont maintenant se retrouver dans la salle des fêtes du village. Les invités vont passer une grande partie de la soirée à danser autour d'eux. Ce que je ressens, ce que j'ai ressenti là, c'est... Je crois que c'est gravé à vie, quoi. Je crois que c'est... Voilà, c'est ancré dans ma mémoire et tant mieux. Et j'ai vécu un super moment et avec un petit budget de mariage pour la France et aussi pour la Tunisie, moi, je me retrouve avec des journées de rêve, quoi, et des choses que j'aurais jamais imaginé vivre et voilà. Bientôt, Jezael va rentrer en France. Tout ce qu'elle espère, c'est que Kabil la rejoigne le plus vite possible pour qu'ils puissent enfin commencer leur vie à deux. Je vais rentrer avec le papier, mais seulement avec le papier. Kabil, il va pas rentrer avec moi. C'est ça qui m'embête. C'est la vie, c'est le... C'est, voilà, il viendra plus tard, mais voilà, c'est... Moi, je serai vraiment heureuse quand on vivra réellement ensemble. On a hâte de pouvoir vivre ensemble.
et fonder notre famille. On rentre? Oui, mon cœur, plus j'ai soif. Je voudrais bien un petit peu d'eau. C'est possible, tu crois? Oui, oui.